sert à quoi? Ça, c'est du framboisier tout craché. Je me demande où il a pu trouver un gabarit pareil. Et c'est quoi? Ça sert à ça. Bon. Eh bien ça, qu'est-ce que c'est? Écoute, Glugue, je t'ai déjà dit poubelle. Si ton invité arrive, je n'ai pas envie que mes tontons aient l'air d'être ce qu'ils sont. Allez, dépêchons. Bon, d'accord. Dis, Gugu, on peut vraiment pas se servir de ton synthé pour ranger tout ça? Ah non, je veux pas le bloquer. Imagine-toi qu'Eveka m'appelle pour m'annoncer l'arrivée de Kiki Prout. Kiki Prout? C'est son vrai nom? Bah oui. Vous avez de ses noms là-bas? Mais c'est moi qui l'ai trouvé pour sa mission. Je pensais que ça faisait plus terrien. Pourquoi c'est pas bien? Si, si. Si, c'est très bien. Sinon, son vrai nom, c'est Ergoline. Ergoline? Ah, c'est plutôt pas mal. Mais qu'est-ce qu'elle vient faire sur Terre? Oh, c'est compliqué, elle nous expliquera. Ilgugu. Ulamino, Ilgugu, Gradushi, Vega. Grouchi. Put. Sogada, Regolo, Frami, Grouchi, Vasta, Musclé. Radista. Grouchi, Grouchi. Ça y est, ces Vega, ils sont prêts pour le transfert. Kesarta, Grazila. Grouchi, Grouchi. Allez, viens, vite, vite. Ça va être génial. Radista, Stifata. Wow! Oh, ma Kiki! Ma Kiki! Ma Kiki! Wow! Super! Bienvenue chez les musclés! Ceux qui t'ont bien préparé! Oh! Je pense que c'est mes voix pour répétition! Mais. Elle ne parle pas français? Et Crofta. Crofty Frankish? Moi, j'ai besoin adapté à langue française. Moi, pressé, moi, dois retourner Vega très vite. Où sont musclés? Ne t'inquiète pas, Kiki Prout. Voici leur nièce, Justine. Bonjour, Kiki. Oh, est-ce que vous êtes belle? Belle? Ah, belle pour que homme aime moi. Vous avez fait du bon travail. Moi, j'ai visionné 43 000 films parlant d'amour. Moi, j'ai compris que homme terrien aime femme comme ça. Alors c'est vrai, en fait, vous êtes venu pour séduire des hommes. Ilgugu, toi, as pas dit à petite terrienne? À vrai dire, j'ai pas vraiment eu le temps. Moi, suis envoyée en mission très spéciale pour opération Kimen. Me suivent. Moi, dois détecter un humain en possession totale de ses moyens physiques et intellectuels. Alors là, vous êtes mal tombé, hein. Pourquoi? Musclé difforme. Parce que du physique, ça va. Mais pour le reste... Bah, attention, Justine. Kiki n'est pas encore parfaitement intégrée dans ta forme d'humour. Ne t'inquiète pas, Kiki Prout. Les musclés, c'est ce qui se fait de mieux en ce moment. Il faut que Terrien, que moi ai sélectionné, soit prédisposé à amour. Ah, bah alors là, de ce côté-là, ça va. Ils sont vifs comme l'éclair. Parfait. Et quand moi aurais sélectionné prototype parfait, moi séduis lui. Bon, en fait, vous êtes venu pour draguer un garçon, quoi. Moi, je suis venue pour étudier amour. Mission très importante. Ah, comme il gugue. Ah non, moi je suis sur Terre pour étudier la séduction. Kiki, c'est beaucoup plus pratique. Oh ben vous êtes culottée, vous. Culottée, mal culottée? Vous voulez moi enlever culotte? Non, t'inquiète pas, Kiki, je t'expliquerai. Je viens de me reconnecter complètement avec la langue française. Dites-moi, vous croyez que ça va marcher? Alors là, avec une nana comme vous, mes tontons sont prêts à tout. Prêts à tout? Tu vas voir, je vais les faire mimir, tu comprendras. Attends. Vas-y, je suis prête. Mademoiselle. Ah ben j'aurais dû mettre mes lunettes. Ça pour un petit déj, c'est copieux, hein. J'étais justement en train de rêver à une dame comme vous. Alors là, les copains, moi, il faut que je me fasse greffer un deuxième cœur. Ilgugu, vous devriez nous présenter. Oui, allez. Alors, je vous présente Kiki Prout, ma meilleure amie. Ah, bravo.
Elle est venue spécialement de Vega pour vous, les garçons. Super. Bonjour, les petits terriens. Ouais. S'il vous plaît. Ouais. Oh, du calme. À mon avis, tu devrais remettre la combinaison spatiale. Alors, qu'est-ce que je disais? Bravo. Écoute, Ilgege, tu as fait du très beau travail. Par quel il faut que je commence? Oh, je sais pas, moi. Par celui que tu veux. Ils sont à peu près tous du même niveau. Non, non, par Framboisier. Ah non, Minet. Mais non, Minet, il a déjà Valériane. Mais non, Minet, Valériane, c'est pour faire rire. Et quant à Framboisier, si Kiki, elle y voit clair... Ah, vous devriez peut-être essayer René. René? C'est lequel? Celui du milieu. Attends, et Rémi, avec son air de pas y toucher... Mais non, tu n'y es pas du tout. Rémi, c'est pas le genre, c'est plutôt le genre cool. Kiki, c'est de la braise, il va se brûler. Plutôt Eric. Eric? Le bipède à moustache? Oh, si tu savais comme il est gentil. Bon, écoutez, dans une première phase, je vais explorer leur karma. Et puis après, bah, on procédera par élimination. Hein? Dis-moi, Ilgege, tu me les rebranches? D'accord. Elle est là! Et moi, j'ai cours d'histoire, je vais rater la suite. Non, pas ça! Je vous interdis! Mais Minet, petit Minet, ce n'est rien, juste un petit... Non, au secours! Au secours! Au secours! Je ne veux pas me retrouver tout nu! Ne bougez pas comme ça, petit Minet. Ce n'est pas votre corps que je veux voir, c'est ce qu'il y a dedans. Kiki, je vous en prie. Oh, Minet, comme vous savez parler aux femmes. Vous trouvez? Oh oui, vous êtes. Vous me gênez. Oh, puis délicat avec ça. Ah non, pas ça, Kiki, non. Minet, que c'est beau, quelle âme, quel cœur, quel tempérament, Minet. Ah oui, mais heureusement vous en rendez compte, parce que les autres, pas toujours. Dis, Bernard, s'il te plaît. Ah oui, mais c'est que... Quoi? Tu n'aimes pas mon parfum? Ah, si, de ce côté-là, tout va bien. Alors pourquoi tu ne m'embrasses pas? Oh, si, je veux bien t'embrasser, avec plaisir. Oh, Minet, donne-moi tout ton corps, ton âme. Doucement, là, doucement. Minet, qu'est-ce que je vois, une autre femme? Une rouquine. Ah, où ça? Là, dans votre corps astral. Et puis, Ilgege. Mais ça ne va pas du tout, Minet, vous n'êtes pas l'homme qu'il me faut. Vous aimez déjà d'autres terriennes. Mais c'est que je vous ai dit que... Écoutez, Minet, ne mentez pas. Si vous aviez ressenti de l'amour pour moi, je me serais vue dans votre corps astral. Ah bah, celle-là, on ne l'avait jamais faite, hein. Vous êtes déjà plein de femmes. Vous ne faites pas de mon temps. Mais, que se passe-t-il, les amis? Il veut comme un voir. Il m'empêche de travailler, il n'est pas pur, il ne m'aime pas. Comment est-ce possible? Ne pas vous aimer? Enfin, Minet, tu es devenu anormal ou quoi? Anormal? Mais je voudrais t'y voir, toi, hein? Elle te fonce dessus avec ses cheveux, ensuite avec sa bouche, et puis elle te passe au scanner, et après elle dit qu'on est bon à rien. Mais enfin, Minet, on avait promis d'aider Kiki. Vous? Vous m'aideriez? On ne peut rien vous refuser, chère sublime Kiki. Enfin, un homme qui me comprend. Ah non, non, non! Ah non, tripotez pas ce machin-là, hein! Ah non, j'en ai pas envie de me retrouver dans le vide ordure comme l'autre jour, hein! Ah non, non, non! Sauve-toi, Eric! Sauve-toi! Oui. Ça va, hein? Ah mais pourquoi avez-vous fait ça? Écoutez, il m'a déjà fait assez perdre de temps. Ah mais tout mais pas ça, hein? Ne bougez pas. Et vous aussi? Qu'est-ce que c'est que cette petite brune? Carmen, c'est ça? Oh, Carmen, tu es là? Mais qu'est-ce que vous êtes stupide, vous autres terriens? Bah, vous me dites que vous voyez ma Dulcinée, alors... Mais là, dans votre corps astral. Oh. Et Ilgege, vous aussi? Pardon? Vous aussi, vous l'aimez? Puisqu'on ne peut rien vous cacher... Oh non, oui. Je vais jamais y arriver. Eh bien, Kiki, pourquoi tu les as neutralisés? Ils t'en manquent de respect? Écoute, je suis désespérée. J'ai beau les provoquer, leur faire des bisous, rien ne marche. Rien. C'est drôle, ça. Moi, j'ai fait jamais rien, ils me courent toujours après. Ouais, mais je sais, c'est de ta faute. Tu es leur amour. Tu es dans leur karma. C'est vrai? Mais tu vois ça avec ton super Cosmo Ionisseur? Ouais, avec ce truc-là, tu peux pas tricher.
Bon, écoute, un conseil, ne t'en sers plus, et pour les autres, t'as que travailler sans filet, et puis on verra bien. Oui, mais s'ils sont remplis d'amour pour les terriennes, qu'est-ce que je fais? Oh, on verra. Tu sais, ici, ça se fait beaucoup d'aimer plusieurs personnes. Tu crois? Écoute, je vais me régénérer, étudier le programme Force de frappe, et ensuite j'expérimenterai. D'accord. Oh, mes petites terriennes dorées, vous m'aimez, je le savais. Je veux pas. Elle me fait peur. Oui, c'est une folle. Elle dit qu'elle veut qu'on l'aime et puis c'est elle qui nous aime après tout. Mais c'est bien plus agréable. Ah, non, c'est pas drôle du tout. Si elle nous aime tout de suite, c'est pas drôle. Et puis, on n'est pas comme Framboisier, nous. On a une âme. Mais tiens, au fait, où est-ce qu'il est, lui? Mais ne vous en faites pas, il aura son tour. Alors maintenant, descendez. Allez. Et vous avez vu Minet? Dans quel état il est? Minet, c'est une poule mouillée. Et puis le pauvre Eric, il paraît que Kiki a voulu dire à Carmen qu'il était amoureux de vous. Mais non, Eric, il a eu peur parce que Kiki a vu qu'il m'aimait aussi. Et alors, elle a eu un petit moment de désespoir, et puis voilà. Bon, il gueule, ça suffit. Vous nous envoyez une nana toute voile dehors, on doit se fiancer séance tenante. Et subir ces expérimentations, aimer comme on n'a jamais aimé avant, et ensuite aller faire la sieste comme si on venait de faire une partie de pétanque. Non mais voyons. Ce que vous êtes compliqué. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais nous ne sommes pas des hommes faciles. Alors, maintenant, écoute-moi bien. Vous avez promis d'aider Kiki, alors maintenant vous vous relevez et on descend. Allez, debout. Allez, debout. Allez. Oh. Je suis désolée. Je pensais vraiment que Minet ou Eric allaient vous dépanner tout de suite. Mais je crois que je m'y suis mal prise. J'ai révisé tous les programmes sur la chasse à l'homme et j'ai dû trop travailler sur le sentimental. Ça, c'est vrai que c'est pas leur fort. Ce qu'il me faudrait, c'est un humain qui n'ait jamais aimé. Ah bah alors là, je ne veux pas vous décourager, mais même mon Jérôme, qui n'est pas du style dragueur framboisier, et qui n'a que 17 ans, m'a avoué avoir déjà aimé avant moi. Il y en a qui croient que c'est facile de faire des études. C'est la première fois que vous venez sur la Terre? Ouais. Et le peu que j'en vois, ça me traumatise. Oh, il faut pas vous décourager, Kiki. Je suis sûre que vous allez bien vous en tirer, hein? Vous croyez? Mais oui. Je me sens tellement perdue. Mais écoutez, avec les hommes, il ne faut jamais désespérer. Non, non. J'y vais, hein. Je vais dans la cuisine. Si jamais vous avez besoin de moi pour un coup de main, je suis là. Et maintenant, je vais appliquer le plan Force Rouge. Oh, allez, oui, on y va. Allez, on y va, c'est bon. Nous voilà, ma Kiki. Ils sont d'accord. Vois ce que tu peux en faire, sinon on applique le plan de détresse. Mm-hmm. Hein? Asseyez-vous. Comment? J'ai dit asseyez-vous. Vous ne comprenez pas? Pourquoi elle nous parle comme ça? Je sais pas. Tu devrais être plus douce, plus féminine, hein? J'ai préféré l'autre coiffure. Oh, silence, vous, hein? Écoute, moi, je suis le plan austérité. Maintenant, j'applique les indications à la lettre. Rémi, debout! Eh oh, il faudrait savoir ce que vous voulez. J'ai dit debout! Vous aussi, René. C'est la première fois qu'une femme me parle comme ça, moi. Et moi aussi. Amenez les Sabine. Kiki, elles sont si choues. Mais qu'est-ce qu'elle fait, René? Oh, quelle femme, quelle puissance! Kiki Prout, je vous aime! Ah oui, moi aussi je vous aime! Mais au revoir! Si je vous aime, mais au revoir! C'est moi qui l'aime! Ah, c'est ça! Ah, je vous aime! Je veux de la rage, je veux de l'amour! Ah, voilà, de l'amour! Je sens que nous sommes sur la bonne voie. Mais pourquoi elle a fait ça? Mais vous l'avez surprise. Mais on n'y comprend plus rien, nous. Elle dit qu'elle veut un amoureux et elle nous envoie un direct. Mais enfin, vous ne savez pas vous y prendre avec les femmes. Bah Justine, je te signale que ça n'est pas une femme, c'est une tendade blanche. Moi, si jamais elle m'a fait perdre la vue, je l'écrabouille. Doucement, René, enfin, vous savez qu'Ilgegue est là. Aïe. Ah bah, aïe. C'est vrai, c'est Ilgegue. Pourquoi tu ne soignes pas au synthé? Que je suis bête, je n'y avais même pas pensé. Aïe. Attendez, je reviens. Qu'est-ce qu'elle est bête, elle aurait pu y penser quand même avant. Aïe, ça fait mal. Attends, ça va passer. Aïe. Attendez, bougez pas.
Oh, mais c'est génial, ce truc. Super. Oh. Et le gueux, vous devriez nous le prêter, parce que comme ça, c'est Kiki, jamais elle attaque à nouveau, et ben moi... Non. Hop, je la pétrifie. C'est pas pour vous, ça ne marcherait pas. Ah, ça, je m'en suis aperçue. Hier, j'ai voulu faire la vaisselle avec. Mais alors, Justine, je t'y interdis de toucher si je suis pas là. Remarque, je m'en resservirai pas de sitôt. Hier, j'ai cassé 30 assiettes. Bravo. Alors, les copains, vous êtes passés à la casserole? Tais-toi, ça a failli être tragique. Oh, moi, depuis que la farfouillée dans mon corps astral, je ne sais plus où j'en suis. Mais je vais vous mettre d'aplomb, Eric. Ah bon, mais merci. N'en voulez pas à Kiki, parce que la mission qu'on lui a demandée est quasiment impossible. Mais... Et Minet, ça va mieux? Oh non, Minet, le pauvre, il délire complètement. Il dit qu'il va demander à Valériane si elle n'a pas un copain susceptible de faire l'affaire. Terminé. Ça ne marcherait pas? Kiki n'a pas de dot. Eh bien, au fait, où est-elle, Kiki? Je l'ai envoyée faire un tour pour se détendre. Ah, pourvu qu'elle ne nous fasse pas une catastrophe. Coucou! C'est moi! Oh mon Dieu, c'est elle! Pourvu qu'elle ne recommence pas! Bonsoir, vous n'êtes pas son type! Ah bon? Les voix! Alors, vous avez trouvé? Ce que tu es classe, Kiki! Écoute, j'ai décidé de jouer le grand jeu. Je me suis dit, ma fille investit. Une mariée a forcément un mari. Mais j'aurais dû te conseiller ça tout de suite, mais je peux te dire que Framboisé, en te voyant comme ça, il va tomber raide. Non. De gueux, Framboisé est contre le mariage. Ça alors? Une mariée? Ça porte bonheur, hein? Oh, on dirait une sainte. Tu vois, je te l'avais dit, le gueugue. Les humains, ils se fient qu'aux apparences. Waouh! Une mariée! Mais c'est notre Kiki Prout! Elle est belle, hein? Superbe! Mais ma petite Kiki, je ne suis pas content du tout. Vous n'êtes pas content? Je sais que vous êtes en mission spéciale, et vous ne vous êtes pas encore adressé à moi pour ce que vous cherchez. Il me semble que je suis le prototype parfait. N'est-ce pas, mon petit ami? Oui, tu veux dire spécialiste, oui, ben voyons. C'est vrai, mais Kiki a besoin de travailler sur un terrain neutre. Oui, et nous croyons savoir que tu n'as pas tout à fait le profil voulu. Même moi, ça n'a pas marché. Ça, mais c'est que Kiki Prout est très exigeante. Eh bien, justement, pour ce qu'elle recherche, je suis le prototype parfait. Ah oui, tu veux dire spécialiste? Ben voyons. Ma chère Kiki, je vous propose de me tester. Et le gueux, qu'est-ce que je fais? J'applique le programme Grandes Orgues avec Don Juan ou je me rabats sur les petites annonces? Écoute, puisqu'il est là, tente ta chance. Bon, eh bien moi, ça ne m'intéresse pas du tout, je monte. Fais attention, Framboisier. La bine fait pas le moine. Est-ce que je peux rester? Ah non, Justine, Kiki a déjà assez de problèmes comme ça, il faut pas la déconcentrer. C'est dommage, je sens qu'il va y avoir du sport. Eh bien, justement, laisse tomber, pitchounette. Framboisier est un grand coureur de fond. Vous m'aidez à descendre? Oh, mais avec plaisir. Parce que vous êtes lourde. C'est que j'ai mis ma côte de maille en uranium plombé, vous comprenez, on ne sait jamais ce qui peut arriver. C'est vrai alors que vous aimez les jolies mariées? Oh oui, et je les aime encore mieux quand elles n'ont plus de mari. Oh, coquin. Vous savez, quand je vous ai vu tout à l'heure, je me suis dit, celui-là, c'est l'homme qu'il me faut. Eh bien, vous êtes comblé, je suis là. Vous savez, si je n'ai pas commencé par vous pour vous tester, c'est parce que Ilgegue a un sacré penchant pour vous. Comment le savez-vous? Ah ben, vous occupez la première place dans son corps astral, c'est tout bête. Ah bon? Et qu'est-ce que j'y fais dans son... Eh bien, je crois qu'elle vous aime. Mais toutes les femmes même! Il suffit que j'apparaisse et hop! Plus besoin de synthétiseurs moléculaires pour faire apparaître leurs vibrations! Je suis à moi seul un synthé d'amour. Est-ce que vous êtes lyrique? Je me sens toute troublée. Oh, vous n'êtes pas la seule. Ah, vous m'aimez alors? Oh, ces femmes, toujours les grands mots. Dites-le, dites-le. Mais quoi donc? Que vous m'aimez. Et quelle sera ma récompense si je dis oui? Un petit voyage. De noces? Alors c'est oui? Oui, je vous aime. Allez, on y va? Non, attendez, attendez. D'abord, il faut que je vous passe au ioniseur cosmique. Bon, tout ce que vous voudrez, la maison ne recule devant aucun sacrifice. Quelle horreur! Mais vous êtes amoureux de toutes les femmes de la planète? Vous êtes sûr qu'il fonctionne bien, votre machin, là? Mais c'est le calendrier des postes! Gina, Marta, Lola, Sabrina, Germaine, Christine... Mais vous avez... Valérie! Mais non, vous avez la berlue, je ne les aime plus, celles-là! Et Ilgegue.
Il gueugueux au milieu de toutes ces femelles terriennes. Bah, donnez-moi ça. D'abord, vous n'avez pas le droit. Si vous continuez, je vous transforme en Ouistiti, moi. Je vous mordrai. Je vous enverrai dans la forêt vierge. La forêt vierge? Mais ça, c'est une idée. Kiki, mais où êtes-vous? Mais ne faites pas de bêtises. Vous devriez peut-être vous asseoir. À mon avis, elle a trouvé chaussure à son pied et partir. Enfin, elle aurait pu nous dire adieu. Oui, on a quand même essayé de la dépanner. Chut, vous voyez pas que vous troublez le gueugueux? Bon, alors, vous voyez quelque chose? Je suis désolée, j'y vois rien. Si vous ouvriez les yeux? Bah, mon minet, tu sais bien que pour voir, il faut fermer les yeux. Pourvu qu'elle n'ait pas fait de mauvaises rencontres. De toute manière, c'est ta faute, Framboisier. Tout ça est ta faute. Bah, j'ai rien fait. Justement. Mais faites-lui confiance, elle sait se défendre quand même. Mais ça, t'as raison. Je suis désolée, c'est affreux, j'y vois rien. Oh, s'il lui est arrivé malheur, je me pardonnerai jamais, jamais. Bah, de toute façon, tu pouvais pas faire l'affaire. Hein. Et pourquoi donc? Trop petit. Regardez, j'ai enfin trouvé. Bon, enfin, ça n'a pas été facile. Hein. J'ai fait tout le tour de la forêt vierge, mais j'ai enfin trouvé un humain qui a l'âme blanche.